Bonjour à tous et bienvenue. On se pose souvent la question de ce qu'est le point commun du message des grands prophètes et maîtres spirituels de l'histoire, comme par exemple Bouddha, Jésus, Confucius, Krishna, Moïse ou Mohammed, etc. Donc certains vont dire que le point commun est qu'ils ont dit « Sois bon avec les autres » comme tu veux que les autres soient bons avec toi. C'est vrai que l'humanisme est important et est présent dans chaque religion, mais il ne suffit pas. Car l'essence du message, comme nous le verrons, de leur message est le suivant. Il y a deux points. D'abord, le premier point est que l'homme a perdu un état d'éveil, car il est emprisonné dans son âme illusoire et donc éloigné de Dieu. C'est un peu à l'image de trois poupées russes qui sont comme embriquées. D'abord, l'homme a un corps qu'il nourrit chaque jour par des repas. C'est comme une sorte de la première poupée russe la plus grossière, on peut dire une poupée russe de fer. Ensuite, l'homme a une âme primaire, endormie, le petit moi, le je égotique, le je J-E. Et il la nourrit aussi, chaque jour depuis l'enfance, par ses projets. Projets d'argent, vie sociale, vie sentimentale, logement, famille, etc. Donc l'homme nourrit, c'est très bien, ses deux premières poupées russes. Donc on peut dire la première poupée russe de fer, son corps, et la deuxième, son âme égotique, on peut dire c'est l'âme de glace. Donc il commence à avoir de l'eau. Et donc le but, c'est d'aller à la troisième poupée russe, de percer ces deux premières poupées russes périphériques pour aller au centre de son être éveillé. On appelle cela l'éveil bouddhiste ou dans les religions monothéistes, le retour à Dieu. Donc la troisième poupée russe, c'est une poupée russe d'eau lumineuse, c'est l'eau, le puits, lumière sur lumière. Certaines religions vont utiliser comme outil la méditation, et d'autres religions vont utiliser la prière pour pouvoir passer de la deuxième à la troisième poupée russe. Et le deuxième axe, donc de tous ces grands prophètes et saints ou maîtres spirituels, c'est que cette vie d'ici-bas est un piège et c'est une illusion, et qu'il faut préparer la vie suivante. Donc pour certaines religions, ça va être le jour du jugement dernier, la rencontre avec Dieu, où chaque péché sera pesé et chaque bonne action sera pesée, ou alors la réincarnation pour d'autres religions, mais elle doit être préparée avec zèle et elle doit être le centre de sa vie, et non pas juste un loisir rapide. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que l'on ne prend pas de cette vie d'ici-bas, que l'on ne se marie pas, que l'on n'a pas de vie sentimentale, d'amis ou de joie, bien sûr. Cette vie d'ici-bas doit être pris comme un tremplin vers l'autre vie. Mais il ne faut pas s'y attarder et en faire son paradis éternel. Il est important de revenir sur l'épisode de Adam et Ève, qui est accepté par les trois monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, mais aussi par l'hindouisme, qui peut être considéré aussi dans la tradition monothéiste, car elle parle de Adam sous le nom de Manu, ou premier homme. Les écrits hindous évoquent aussi Noé, Abraham, qui a pu avoir une influence sur l'Inde, car il a voyagé et a vécu pas loin de l'Inde, à Babylone, dans l'ancien Irak. Les Brahmanes
ou prêtres hindous pourraient tirer leur nom de Abraham. Il est possible que ce soit de siècle en siècle que les hommes aient changé l'hindouisme et les transformé plus ou moins en une sorte de polythéisme. Donc, lors de cet épisode, la prise du fruit a provoqué la chute d'Adam du paradis originel qui était situé à la limite du ciel, comme une sorte de royaume en hauteur, comme un monde invisible vers le ciel, l'univers étant découpé en sept cieux, et scientifiquement il y a les galaxies, et ces sept cieux sont les sept paradis qui sont plus hauts que le paradis d'Adam. Et il y a aussi sept terres, comme la croûte terrestre, très très chaude, qui représente les sept enfers. Le paradis d'Adam est donc situé entre le premier ciel et notre terre. Donc, par cette chute, Adam est passé de l'état spirituel à un état corporel grossier, et une chute vers ce monde d'ici-bas, qui est une pâle copie du paradis, comme une sorte de décor plastique Disney. Au paradis, Adam obtenait sa nourriture facilement, soit par la simple pensée ou sans même labourer ou planter, car il était relié à Dieu, alors que sur terre il doit laborieusement planter et attendre, attendre que cela pousse. Donc au paradis, sa vie et son lien avec Dieu étaient légers, transcendants et comme une sorte de communique musicale harmonieuse en ligne droite. C'était la grande paix, où les dons divins tombaient facilement. Et avec la chute, il est comme dans un labyrinthe enlisé, où tout est laborieux à obtenir. Donc le but est de reprendre cette connexion avec Dieu, de remonter à ce paradis originel, et aussi d'obtenir des paradis plus hauts, puisqu'il existe sept étages du paradis, et que le paradis d'Adam était à peine au premier ciel. Et aussi d'éviter les sept sous-terres de l'enfer. Donc chaque monde, que ce soit les paradis ou les enfers, possède les mêmes créations que sur terre, mais avec leurs propres caractéristiques, car la terre est le miroir des autres mondes. Ainsi au paradis, tout est sublimé. Les océans sont si immenses que ceux de la terre apparaissent comme des gouttes d'eau. Les femmes et les éphèbes sont d'une beauté des milliards de fois supérieurs à ceux de la terre. Pareillement pour l'enfer, qui a des océans de feu, des arbres à épines et des démons, tout cela manifestant la diversité de la création divine. On peut comparer la relation d'Adam avec Dieu au paradis comme celle de Pinocchio avec son marionnettiste Geppetto. Pinocchio est totalement dépendant de Geppetto qui le manipule. Et au paradis, Pinocchio est relié et son regard est sans cesse avec son créateur. Après la désobéissance et la chute, les fils qui le relient au créateur s'éloignent. Et Pinocchio ne voit plus Geppetto de manière claire. Il le voit de loin, comme une sorte de myopie. Ensuite, de génération à génération, avec les premiers péchés comme le meurtre de Caïn et Abel, les descendants d'Adam ne regardent même plus vers Geppetto, mais disent « Moi, je », c'est moi le gérant. Et certains disent même « Geppetto n'existe pas ». On le voit dans certaines rencontres sportives où le footballeur qui a marqué le but se montre lui-même et dit « c'est moi » avec la veine qui dépasse, alors qu'il doit tout à Dieu et qu'il n'a pratiquement aucun mérite. Et cela rejoint encore une fois l'histoire de Pinocchio, puisque dans l'histoire de Pinocchio, il doit prouver qu'il est digne de devenir un vrai petit garçon, donc par les actions. Et il va être engrainé par des pêcheurs et des gens, des bandits, qui essayent de le faire détourner. Et à la fin, c'est le fait d'avoir sauvé son père qui le fait redevenir petit garçon. Eh bien, l'homme, c'est pareil. Imaginons qu'aux 20h du journal, on parlait d'un arbre en Amérique du Sud, par exemple en Bolivie, qu'il ne faut absolument pas toucher. Et ceux qui l'ont touché ont un comportement et un changement bizarre.
Ils ont un corps mi-homme, mi-plastique, mi-pantin, comme Pinocchio, et ils ont perdu la moitié de leur capacité humaine. Ils sont très sociables avec les gens, tout le monde les aime, mais sauf, ils ont un comportement bizarre, ils vont visiter leur époux ou leur épouse pour un café tous les 6 mois, ou certains tous les mois, et certains disent, je ne crois pas que mon époux existe, je ne le connais pas. Les époux sont alors en colère et les virent. Pareil, certains ont un comportement avec les parents où ils vont les voir pour certains tous les mois et demi et d'autres tous les ans alors qu'ils habitent dans le même quartier et les ignorent quand les parents les saluent chaque jour au marché. Certains disent je ne crois pas qu'on a des parents, ça n'existe pas. Et seuls ceux qui reprennent conscience ont un comportement journalier normal d'amour et de relation avec leur époux ou leur épouse ou leurs parents reprennent leurs conditions humaines. Donc, ne voyez-vous pas que depuis la chute, nous sommes dans cet état avec Dieu, et que pour reprendre une condition angélique ou reprendre notre état de lumière, notre corps de lumière, car là nous sommes comme dans un corps de pantin, nous devons faire comme Pinocchio. Sinon, on encourt la colère de Dieu et l'enlisement dans l'état humain de pantin en bois contre celui qui l'oublie, alors que la moindre cellule est régulée par Dieu. Et donc si on dit je ne sais pas vraiment sur Dieu ou je pense à lui une fois par semaine le dimanche, tout en disant je suis gentil et je fais le bien autour de moi, cela ne suffit pas. Car il y a un minimum vital de lien et de gratitude entre le serviteur et son Seigneur, son Dieu, comme il y a un lien et une gratitude minimum pour ses parents, et un lien minimum avec son époux ou son épouse, ce qui est logique. Et donc la chute peut encore continuer pire que l'Adam Pinocchio et engendrer d'autres êtres inférieurs comme l'Adam animal qui ne pense qu'à copuler et manger, l'Adam diable humain qui complote et crée la discorde par ruse entre les humains, l'Adam dictateur et assassin violent, etc. etc. Donc c'est là qu'interviennent le rôle des prophètes, qui selon certaines traditions furent 313 prophètes principaux, de Adam au dernier prophète Mohammed, en passant par Abraham, Moïse ou Jésus, ou d'autres que l'on ne connaît pas, car toutes les contrées, que ce soit la Chine, l'Amérique ou l'Europe, ont eu un prophète qui parlait leur langue, mais on ne les connaît pas tous. Donc ces prophètes étaient là pour rappeler que l'âme a oublié le lien à Dieu, et que cette vie n'est pas un paradis éternel, et qu'il faut préparer le retour, l'après-vie. Donc comme on est dans une chute qui a fait trembler l'univers et provoquer la colère divine, seule une méthode précise d'un prophète envoyé peut donner un résultat, comme une maladie très sérieuse ne peut être guérie par un simple placebo ou un doliprane. Donc c'est une quête comme un sportif cherche la médaille aux Jeux olympiques. Donc, il faut savoir que sur Terre, le diable et sa bande, sa horde, a eu l'autorisation de Dieu d'égarer encore l'homme après l'avoir fait chuter du paradis. Et il veut encore provoquer une chute encore plus bas, car le diable n'a pas refusé de se prosterner devant Dieu, mais devant Adam. Il a une haine contre nous. Donc on représente cela par la métaphore de la ville, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, sans aucune limite, ni contrôle, ni connaissance des lieux amenant à une autre chute. On circule dans la ville sans aucune règle, vit une vie normale. C'est un lieu de danger et il faut émigrer vers la plage qui mène elle-même vers l'océan. On verra cela par la suite. Car en fait, la différence avec le paradis est que sur Terre, les arbres qui sont interdits sont démultipliés, sont très nombreux, et sont encore plus nombreux, ils sont camouflés. C'est-à-dire que si l'équation était simple au paradis, c'est-à-dire juste un seul arbre à ne pas toucher, ici sur Terre, les arbres sont travestis et invisibles, car ce ne sont pas des arbres. On est donc comme dans une jungle, piqué de partout, mais ne se rendant pas compte, car on est voilé des conséquences, et les arbres interdits sont travestis. Et le diable veut nous donner une apparence de bienfait dans certains péchés, et on s'en rend compte
que quand le mal est fait. Donc dans ce jeu de lois qu'est la vie, l'arbre de la chute sont les péchés de l'homme, comme le meurtre ou le vol pour les plus graves, et cela c'était une évidence, la recherche du profit démesuré, la médisance, l'auto-orgueil, et même la vie insouciante en famille, en se rappelant de Dieu pratiquement jamais, ou tous les 6 mois seulement, est aussi une perdition. Car depuis la chute, tout ce qui est matériel s'imprègne avec lourdeur dans notre cœur, comme un couteau que l'on plante dans un arbre. C'est-à-dire tout est lourd, on s'imprègne et on s'attache aux choses. La vie de famille, les enfants, l'argent, les passions, la fête. Par contre, tout ce qui est spirituel est extrêmement difficile à atteindre. Pour 1 gramme d'acte dans le matériel, on va atteindre 1 kilo d'attachement dans le cœur. Alors que pour le spirituel, 1 kilo d'acte dans le spirituel va atteindre à peine 1 gramme, car on est dans l'oubli de Dieu et dans la chute, donc la relation est lointaine et il faut la renouer en doublant d'efforts. C'est comme quand une famille a été coupée et que le lien a été coupé pendant des dizaines d'années. Quand ils veulent reconstruire, c'est extrêmement difficile, il faut redoubler d'efforts et c'est beaucoup plus difficile que si le lien avait été noué d'année en année. Et bien c'est pareil de notre relation avec Dieu depuis la chute. Donc pour résumer cette partie en un seul mot, la chute peut encore continuer et les arbres du paradis sont encore présents sur terre, mais sous forme de piège. Et la conscience de la chute peut être non immédiate ou même ne jamais arriver, car le diable donne l'illusion d'un bien. Donc l'homme chute alors dans des états de lourdeur de plus en plus forts. Et après la mort, il sera tellement lourd qu'il va donc encore chuter, car il ne s'est pas spiritualisé sur terre et a oublié le lien avec Dieu. Donc la plage, c'est le niveau 2. Donc l'homme est sur la voie de la remontée spirituelle, qui correspond aux 7 cieux du paradis. Il va avoir un plan de la ville, donc de la jungle, ce qui va lui permettre de filtrer les endroits où aller et où ne pas aller. Donc la plage a 3 aspects, c'est comme celle d'un boxeur. Donc le rite religieux a 3 aspects comme celle d'un boxeur. C'est des coups efficaces à donner, c'est-à-dire des rites de prière pour reprendre le lien avec Dieu. Et aussi un jeu défensif pour éviter les coups, c'est-à-dire une certaine ascèse et un cadre de vie adéquat et limpide. Car si le boxeur donne des coups forts mais n'a pas de garde, il va être mis KO. Donc il faut adorer Dieu par des rites, mais aussi ne pas aller dans certains endroits et avoir un cadre de vie. Ainsi, si tu vas à la messe le dimanche mais la veille tu étais ivre en boîte de nuit, tu perds beaucoup et tu tricotes le gilet, puis tu le détricotes. Donc enfin, le 3e aspect, c'est l'humanisme, c'est-à-dire l'entraide, le partage et les règles d'amour de l'autre. Donc l'ensemble de ces rites et de ces méthodes ont été apportés par des prophètes patriarches, car il y a 2 sortes de prophètes, des prophètes patriarches et des prophètes revivificateurs. Donc les prophètes patriarches sont des prophètes qui viennent majoritairement pour enseigner la loi divine à une civilisation. C'est-à-dire avant eux, il n'y avait rien. Ils construisent sur un sol nu. Ils s'adressent donc à un public très large, du papa à la maman, à l'enfant, au papy, à la mamie, à la personne intelligente, à la personne plus limitée. Donc son discours doit être simple et clair, sans métaphysique complexe. Leur message est « Reconnectez-vous au lien de votre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et éloignez-vous des passions par ma loi. » On peut par exemple citer Moïse et les 10 commandements, la charia islamique de Mohammed ou les préceptes d'Abraham. Donc ça crée un établissement, par exemple une mairie, sur un sol vierge. Avant lui, il n'y avait rien. Il utilise donc du matériel lourd, du béton, de la brique, etc. C'est la loi avec ses interdits et ses recommandations. Son établissement culturel accueille toutes les tranches d'âge, de la naissance aux plus âgés, et de tout niveau intellectuel. Il permet de cultiver toute la ville du CP au Masters en passant par l'alphabétisation de tous. Il accueille enfants, adultes, vieillards, lettrés, paysans.
Son discours, donc, comme je l'ai dit, se doit d'être simple. Ces prophètes connaissent la métaphysique, donc ils connaissent des choses plus complexes et les secrets, mais ils la donnent qu'à une minorité. Donc on peut citer, comme je l'ai dit, Abraham, Moïse, le prophète Mohammed, Confucius. Donc au contraire, les prophètes revivificateurs sont des prophètes qui viennent dans un contexte où la tradition est déjà millénaire. Mais il y a un problème qui survient et ils sont là pour le régler. Et c'est souvent l'attachement excessif à la lettre et l'abandon du spirituel. La lettre devient alors lettre morte et la religion juste un amas de règles. Donc on peut noter parmi ces prophètes revivificateurs Jésus, Bouddha ou Krishna. Donc il est très important quand on voit les paroles ou l'état d'esprit d'un prophète de savoir s'il est un prophète patriarche ou un prophète revivificateur. Car il y a un contexte précis, comme deux professeurs n'ont pas le même rôle s'ils sont en sixième, professeur de sixième ou professeur à l'université chez les chercheurs. Donc le prophète patriarche va plus être pour les sixièmes, les enfants avec les bases, et le prophète revivificateur sera plus pour les chercheurs, mais les deux connaissent la métaphysique et le niveau le plus haut. Cela ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Donc le point commun de ces deux genres de prophètes, c'est qu'ils respectent les règles de la plage. Donc ces règles sont la loi universelle des sociétés traditionnelles anciennes, que ce soit la loi hindoue des Indiens, qu'on appelle la loi de Manu, donc c'est justement la loi d'Adam, les règles sociales confucéennes de la Chine, La loi juive ou la loi islamique? comme on l'a dit, c'est le suivi d'un prophète de Dieu dont les principaux étaient 313. Donc comme on l'a dit, il y a d'abord l'aspect offensif pour renouer le lien avec Dieu. Donc par exemple, les cinq prières de l'islam, où le musulman va reprendre son lien vertical cinq fois par jour, de l'aube au coucher de soleil, où il va abandonner sa vie d'ici-bas le temps de 5 minutes. Il va renouer les fils de Pinocchio avec Gepetto, donc de l'être humain avec Dieu, et re-regarder vers lui en lui rendant la grâce qu'il mérite. Pareillement, il existait auparavant sept prières chez les chrétiens. Comme la chanson Frère Jacques sonnait les matines, cela correspondait à une des prières. C'était la première. Donc la première, c'était les matines entre le minuit et le lever du jour, puis il y avait l'aude à l'aube, puis la troisième tierce, troisième heure après le levant à 9 h, puis il y avait sexte, il y avait none, vêpres et enfin compile le soir avant et après le coucher du soleil. Chez les juifs, pareillement, il y a plusieurs rites à faire par jour, et chez les hindous aussi, comme les dévots de Krishna, qui est une branche de l'hindouisme, qui a le même dogme d'incarnation que le christianisme, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme, mais en Krishna. Donc ils ont aussi des rites précis chaque jour. Donc la base est d'avoir un rite journalier chaque jour, et non pas juste le dimanche ou quand on est en difficulté, c'est-à-dire très très rarement on va repenser à Dieu. Donc connaître Dieu dans sa seigneurie est très important car c'est la base et cela permettra d'éviter les pièges spirituels pouvant intervenir sur le chemin. Il est ainsi omniscient, au-delà de la forme, des distances et du temps. Il voit et entend tout. Il a tout créé et est tout puissant. Cette société basée sur la loi divine, donc, se doit aussi d'être lumineuse comme on le verra. Donc, sur cette plage, les occupants font plusieurs toilettes journalières dans la mer, ce qui permet à leur cœur de s'asperger de l'eau de la lumière divine. Cependant, leur cœur reste mi-glace, mi-liquide, mi-eau lumineuse. Il n'est pas encore lumineux à 100%. Ensuite, le deuxième aspect, c'est le jeu défensif, c'est-à-dire une certaine... Tous les grands saints et prophètes ont dit de prendre du recul sur la vie d'ici-bas et de centrer sa vie sur Dieu. Ainsi, un des préceptes bouddhiques le plus connu est que la vie est souffrance. Dans la langue d'origine, c'est dukkha. Mais le terme signifie plus que souffrance, c'est-à-dire la vie ne tourne pas rond, elle a comme la tête à l'envers. Ça veut dire elle n'est pas dans le bon sens. Donc c'est un terme très subtil. Et Bouddha a aussi dit, le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient correctement. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient correctement. Jésus, pareillement, aussi a fait beaucoup d'avertissements contre la vie d'ici-bas. Il dit, fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Donc Jésus n'était pas du monde. Il ne s'est pas attaché au monde. Et dans Jean, dans le chapitre 17, il dit: ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Donc il va très loin. Car il a donné un enseignement qui n'est pas pour tout le monde, un enseignement très ascétique. Et enfin, le prophète Mohammed était un prophète patriarche, donc plus équilibré pour la masse des gens comme nous. C'est-à-dire qu'il était marié, que parfois il jeûnait et parfois il mangeait, il jouissait des bons mets et des bons plats et parfois aussi jeûnait. Donc il avait un équilibre entre ascétisme et vie d'ici-bas. Mais il a aussi beaucoup de paroles de recul sur la vie d'ici-bas. Il dit: l'homme est un voyageur et la vie est comme un arbre. L'homme s'y repose quelque temps pour se reposer à son ombre, puis repart pour son voyage. Donc il a dit d'autres phrases comme: prends la vie avec la main, mais ne la prends pas avec le cœur. Et dans le Coran, dans les hadiths aussi, Dieu compare la vie d'ici-bas avec l'aile d'un moustique. Et enfin, dans le Coran, Dieu compare ceux qui s'appuient sur ce monde comme ceux prenant la demeure de l'araignée, et il dit: quelle maison fragile. Donc l'ensemble des religions ont prôné une ascèse, une certaine ascèse. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit être des moines, mais on peut avoir une vie de famille, s'amuser, avoir du plaisir, mais centrer sa vie sur Dieu. Donc déjà il faut éviter les lieux où l'âme se perd, et aussi l'attachement excessif de la vie, même la vie normale, en oubliant Dieu. Ensuite, l'absorption des substances comme l'alcool, la cigarette ou les drogues. Essayer d'éviter tout cela. Et aussi la fréquentation des lieux de fêtes passionnées et alcoolisées où l'âme ne peut se stabiliser. Donc c'est sur le modèle d'une vie harmonieuse, que ce soit à la campagne ou en ville, sur le modèle d'une vie calme, harmonieuse, avec une alimentation saine et un esprit sain. Donc on peut citer les 8 règles bouddhistes qui dit que les 8 règles sont la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'humanisme et le partage. Donc comme on l'a vu, l'humanisme seul ne suffit pas, mais il est primordial à toute pratique religieuse, sinon on est comme les pharisiens de Jésus, qui pratiquaient tout, avaient une ascèse, mais laissaient mourir l'autre et n'étaient pas pleins d'amour et de sens du partage. Donc ça leur donnerait des sortes de robots religieux. Pareil pour l'islamisme rigoriste ou toute autre religion qui amène à des ténèbres. La religion doit être un modèle de paix, d'harmonie, d'entraide, comme nous l'ont montré les valeurs hindoues, chrétiennes, bouddhistes, juives ou islamiques authentiques.